Bonjour et bienvenue sur Let's Analyse épisode 7. Je me suis un petit peu acharné sur Chronique de la guerre des 6 et j'ai essayé de trouver pourquoi ça ne marchait pas. J'ai dû ouvrir le dossier donc du jeu et voir un petit peu qu'est-ce qui a planté, et c'est tout simplement parce que il n'y a pas de délai d'attente entre l'incrémentation d'une variable et la mise en place d'un interrupteur local. Du coup, j'ai rectifié ça. J'en ai profité aussi pour un petit peu rusher. Donc j'ai pris quelques niveaux. Et maintenant, on est à la suite. On est parti. Ah, c'est pas là. Je vais reparler à lui pour voir s'il me dit quelque chose d'intéressant. Non. Si. Ah, donc du coup ça a déclenché. J'étais pas retourné, ça déclenche en fin de compte. Je vais lui reparler quand même. Voir si ça redéclenche ou pas. Ok. Là on est bon. Donc du coup normalement on est censé aller là. Alors on n'a pas cette indication et malheureusement ça c'est un gros problème, c'est que on a des quêtes et là sur les quêtes on n'a rien. Et quand on reparle aux personnes, ça c'est rédhibitoire. On n'a plus les informations. C'est-à-dire qu'on passe à côté des informations, on ne les a plus. Et ça, c'est pas normal. Ok. On essaye d'esquiver parce que là, j'ai pas envie. Ah, mais non! Ok. Bon, on est reparti. Hein. Évidemment. On a quoi? On va faire un petit ténèbre. Une attaque brutale, on n'a pas. Si, on a. Attaquer, c'est vrai que lui il fait pas terrible. Alors, on va essayer, quand il aura moins de points de vie. Hein. Échec, ah bah super. Donc j'ai quand même pas mal tryhardé, et même comme ça, c'est quand même chaud de patate. Hein. Donc j'ai pris pas mal de potions parce que c'était vraiment ce qui me posait problème. Là on est sur le fil conducteur. Ok, faut faire quoi? J'ai pas eu. Retournons à la falaise. La falaise. La falaise. C'est où la falaise? J'en sais rien. Je vais déjà aller voir là-bas. Retournons au mur. On va retourner au mur. Ok, je sais même pas ce qu'il m'a dit. Au second village. On va aller au second village. Ok, ceux qui m'ont envoyé chier à chaque fois que je leur parlais. Ouais, ok. Les gars de la falaise. Je sais pas. C'est du bâclé. Le fort du Levant. Le fort du Levant. La passe de Rizalt. La passe de Rizalt, c'est où? Et les personnages disparaissent. Mais c'est n'importe quoi. Ok, donc je fais quoi là? Je retourne là. Non. Ah, toujours pareil. Ok, on va aller là. Ils sont toujours morts. On va retourner là. C'est toujours le bazar. Ok, on va retourner au mur. On va essayer d'avoir des informations. Ok, pas d'informations. On va retourner ici. Oh bah ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils me racontent de beau? Vous n'avez rien à faire ici. Cassez-vous. Alors pourquoi ils ont disparu tout à l'heure? Je ne sais pas. Donc par élimination, on doit aller par là, je suppose.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Où faut aller? Quoi faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui... C'est pas là qu'il faut aller? Comment ça se passe? Bon. Je vais checker qu'est-ce qui bloque parce que là je ne comprends pas. C'est le seul endroit et il n'y a rien. Donc on se dit à tout à l'heure. Je vais essayer de voir ce qui pose problème parce que là je ne sais pas du tout pourquoi. Ni où aller, ni quoi faire. C'est un petit peu la fête. Hein? Allez hop, on va faire une attaque. C'est n'importe quoi là. Ça a été fait trop vite. Franchement trop vite. C'est un peu dommage parce que le début est quand même assez propre. Pas transcendant en soi. Hein, la plupart de ce qu'on a vu déjà précédemment fonctionne plutôt bien. Mais là, non. Non, j'ai envie de dire non. Donc sur ce, petite ellipse, et je vous retrouve dès que j'ai trouvé la solution. Si je la trouve. À tout de suite. De retour avec cette ellipse où j'ai dû encore une nouvelle fois éditer le jeu pour pouvoir continuer, ce qui est assez pénible puisqu'il y avait une variable qui n'était pas correctement incrémentée. Et c'était juste l'incrémentation variable, uniquement, qui posait problème. Ok, sur ce. C'est mauvais, c'est expéditif d'une force monumentale. Là, on va essayer. On va se faire le Cocatrix. Et là, je sens que l'ennemi d'après va pas me plaire. Voilà, toujours pas. On va faire feu parce que de toute façon, ténèbres, c'est pas beaucoup plus efficace. On va faire attaquer parce qu'on n'a pas le choix. Ça sert à rien. Et on va faire vent. Éclat, bouffe. Et voilà. Donc on est quand même sur une architecture en fin de jeu, enfin de démo, qui est vraiment bancale de chez bancale. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Hein. Toujours pas. Ok. Toujours pas. Ah, mais c'est qu'ils font super mal. Et en plus, les dégâts sont nuls. Et on fait que dalle comme point de dégâts. Ah, c'est génial. J'adore. À quel moment j'arrive au bout de ce truc? J'ai pris 3 niveaux, hein. Pour information, j'ai pris 3 niveaux. À quel moment où je peux vraiment décemment penser que le jeu est bien paramétré? Non, là, il y a vraiment un problème. Nul! C'est juste pas possible. Non, non, j'ai envie de dire non. C'est... Non. C'est... clairement pas normal. Et 300 points de dégâts, quoi. Un échec. Ah bah oui, bah allez, allez. Vas-y, fais-toi plaisir. Non. Là, je dis que ce jeu se fiche de nous. Donc vent, ça marche pas, on va essayer saigner, ça lui remettra de la vie. Ouais, éclair, ça marche pas. Et quand il attaque, ça fait pas de points de dégâts, bah, c'est la fête, hein. J'ai pris 3 niveaux. Je me suis embêté à faire 3 niveaux. Et l'ennemi est encore sur pied. On en parle ou pas? On va faire un ténèbre. Toujours pas. On va faire une saignée encore.
Il a de quoi faire des points de dégâts. On va faire éclat. Allez, vas-y. 100, ça va, c'est cool. Allez. Ouf. Mais comment il fait super mal? Faut qu'on me dise pourquoi il fait si mal. C'est juste pas possible. Ah non, 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 non. Bon, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Là, clairement, non. Non, là, j'en ai déjà assez bavé précédemment. Clairement, il est hors de question que je continue ce jeu. Là, clairement, je dis non, non, non. Hein. C'est la fête. Ah oui, donc ça rend juste aveugle. Ça peut pas faire des points de dégâts en même temps. Pitié. Sérieux. C'est juste pas... Non, non. Mais ça n'a pas été testé. C'est pas possible que ça ait été testé, ça. Non, ça n'a pas été testé. Non, saigner à 10, ça sert à quoi? Non, 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 non. Bon, bah attaquer, hein, puisque j'ai pas le choix. Oh purée, non sérieux, non, 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 non. J'ai envie de dire non. Non, là j'ai l'impression que c'est une fin bâclée. Parce que je sais, évidemment par rapport au temps qui a été défini par l'auteur, que je suis pas loin de la fin. Mais là, il aurait mieux fait de faire plus court et pas faire cette partie là et vraiment la tester. Parce que là, c'est pas possible de faire ça. Voilà, moi je continue pas. Hein. C'est horrible à ce niveau là, les combats sont horribles. Et là je me tape juste après. Vous voyez la petite bestiole là, et puis il y en a encore une autre derrière, donc c'est... Non, en plus on n'a pas de quoi faire un rush majeur. Donc non, et on peut pas retourner en arrière. C'est génial. Ok, bon, alors cette série sur ce jeu là est définitivement finie. Je ne continue pas au-delà et je vous dis à la prochaine.